Maître Jacques le notaire, Maître Jacques le notaire, à Saint-Pierre marié, à Saint-Pierre marié, la première est très austère, elle doit avoir 40 ans, c'est l'image de sa mère, elle mène tout en bourbaton, c'est dommage, mais qu'importe, et que le diable l'emporte, parlons, parlons. Maître Jacques le notaire, Maître Jacques le notaire, à Saint-Pierre marié, à Saint-Pierre marié, la deuxième comme son père, a de la barbe au menton, le nez comme une pomme de terre, les pieds plats et le dos rond. C'est dommage, mais qu'importe, et que le diable l'emporte. Parlons, parlons. Maître Jacques le notaire, Maître Jacques le notaire, à Saint-Pierre marié, à Saint-Pierre marié, la troisième sans aucun doute ne manque pas de qualité, mais toujours elle vous déroute, car elle a un œil en biais. C'est dommage, mais qu'importe, et que le diable l'emporte. Parlons, parlons. Maître Jacques le notaire, Maître Jacques le notaire, à Saint-Pierre marié, à Saint-Pierre marié, la quatrième est sauvage, quoique jolie comme un cœur, elle fuit sur mon passage, à croire que je lui fais peur. C'est dommage, mais qu'importe, et que le diable l'emporte. Parlons, parlons. Maître Jacques le notaire, Maître Jacques le notaire, à Saint-Pierre marié, à Saint-Pierre marié, j'ai épousé la dernière qui ressemble à une fée, mais elle est pas trop légère, elle ne pense qu'à me tromper. C'est dommage, mais qu'importe, et que le diable l'emporte. Parlons, parlons. La morale de cette histoire, la morale de cette histoire, est fort simple à deviner, est fort simple à deviner. N'allez pas chez le notaire pour vouloir vous marier, mais consultez père et mère avant de vous déclarer. C'est dommage, mais tant pis, car la vie est faite ainsi. Parlons, 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 parlons.